Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur Stellaris. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer. Alors ici on a déjà un petit truc à améliorer, on va le faire. Pour continuer notre chère guerre, hein, notre guerre de vassalisation. Espérons que ça va marcher. Alors on va voir un peu où lui veut aller. Il va aller ici et on va sûrement attendre. Il va sûrement envoyer ses petites unités de transport ici. C'est pas trop grave. En vrai, si on les a pas, bah, ça fait partie d'eux. Et puis c'est comme ça, hein. Alors ici, ça a réussi à partir. C'est déjà ça. Et alors, où est-ce qu'ils vont aller, eux? Nous ne sommes pas parvenus à repousser l'invasion de IOD. Ok. Et alors, je les vois bouger, mais je les vois bouger jusque-là, alors du coup. Tac, tout cela n'est pas tout cela est tolérable ou pas tolérable, je sais pas. En tout cas, ici, on va arriver et on va venir les défoncer. Parce qu'on va quand même pas se mentir. C'est l'heure de défoncer. Hein. Et alors, est-ce qu'on produit encore ou pas? Est-ce qu'on a beaucoup à produire? Bon, on a quand même quelques-uns à produire. Parce qu'ici, vous voyez, on a quand même une 2700 qui attend d'être envoyée. Ce qui est quand même sympa. Alors, on a ici un premier combat. Bah, écoutez, on va le faire comme ça. C'est fait. On va aller bah, jusque là. Alors, je voulais vous prendre ici. On va choisir ça et on va prendre peut-être domination. Je crois que c'est un peu ce qu'on est en train de faire pour le moment. On attaque. Je crois que c'est le moment parfait pour faire tout ce genre de choses. Alors, j'ai pas revendiqué tout ça. Je sais pas si je vais revendiquer tout ça. Étrangers, nous sommes des Opal Glek, au contraire des civilisations stellaires de la galaxie. Nous n'avons pas de suzerain unique pour nous commander, mais j'ai été choisi par toutes les maisons pour vous transmettre ce message. Ne tentez pas de nous imposer vos manières doucereuses et décadentes. Vous pouvez librement envoyer vos vaisseaux aliens dans l'espace de la Free Warrior, mais ne vous attendez pas à les voir revenir. Nos guerriers apprécient cet amusement malgré tout. Nous transmettez sur cette fréquence si vous souhaitez offrir tribut. Ou si vous avez besoin de mercenaires. Ok, si tu veux, écoute. Hop, et on envoie ici une nouvelle phase. Parfait. Et je vous avoue que je vais encore faire ici. Quelque part. Voilà, on a les hyper relais aussi, ça c'est trop bien. On va pouvoir s'amuser aussi à tout relier pour aller rapidement d'un endroit à un autre. J'aimerais améliorer et en tout cas réparer. Ce serait cool de réparer, mais ça demande du coup quand même. Ouais, ça va encore. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin, c'est intéressant du coup, comme ça on va pouvoir vraiment envoyer, enfin attendre que tout ça ici se produise encore. C'est parfait. Alors, on a une nouvelle planète qui vient d'être faite, d'accord. Ce qui veut dire que on va, boum, on va la baser sur de l'agricole, d'accord. Donc ici, on va chercher ferme hydroponique, voilà. Ça sera plutôt bien. Marché galactique établi à Nelpaxo. C'est où Nelpaxo? C'est là. Ok. Alors, ici, il se fait attaquer. Ok. Ah, et on me parle sur Facebook. Je ne sais pas si vous avez entendu ça du coup. Pop,
Alors, est-ce que ici on a quelque chose? Pour toutes les enclaves mercenaires, nanana. Les flottes par mesure mobilisent 10% de capacité navale en moins, mais on entretient. Ah ouais, on peut peut-être, parce que ouais, en fait on peut refuser ça parce que c'est intéressant. De ne pas le soumettre. Loi sur les gens gardiens, on va s'y opposer parce que en fait c'est pas intéressant pour nous qui sommes une question une conscience VGSL, donc une intelligence artificielle. Du coup, est-ce que on peut. Bah écoutez, on va aller par là et on va commencer à attaquer. Hein. Popopom. Complexe scientifique, oui. Alors, est-ce qu'on se dirigeait vers là-bas ou on les attend là? Non, on va les attendre alors. Boum. Coucou! C'est vraiment en mode. Coucou les copains, vous êtes morts. Voilà, on va déjà essayer de choper tout ça. Alors, on risque de pas pouvoir imposer le statut de. Imposé, donc. J'irais bien choper quand même les petites zones ici. Ce serait cool de pouvoir aussi choper celle-là. En vrai, à un moment donné, je crois qu'on pourra. Et ça fera vraiment du bien d'avoir toute la zone là à choper. Et il faudra combien? Encore 37, ok. Alors, pour être au conseil, alors on n'a pas assez, donc coup c'est les trois premiers, je suppose. Et eux, ils sont en dessous de nous, donc ça c'est déjà bien. Nos copains ici, ils sont tout au-dessus, donc ça c'est trop cool. Bonne nouvelle. En vrai, c'est parfait. Bon, on va aller défoncer, c'est pas grave. Alors c'est vrai que du coup, j'ai pas attaqué les planètes, donc il faudra faire très attention. Parce que je crois que. Il faut qu'on fasse ça en fait. Il faut qu'on fasse ça rapidement. On va faire des armées recrutées. Voilà, espérons que ça va quand même aller assez rapidement. Alors, ils sont en train de descendre ici, donc on va aller jusque-là. Ils veulent établir une ambassade. Bah écoute, vas-y. Et ici, est-ce qu'on peut faire des choses spécifiques? Point de coque en plus, c'est toujours ça de prix. Ok, alors lui ici, on va aller choper du coup la planète, poser les armées. Point de civisme non dépensé. Ok, ici on a siphon énergétique. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une couleur, du coup on va le faire. Ok, on va attaquer ici, d'accord, ou là à droite peut-être. Bon, on va aller là à droite. Alors, comme j'avais dit, je voulais faire ça aussi, revendiquer le tout. Ça pourra être très sympa. On va choper toute la zone, de toute façon, ici, autour. Mais ça va clairement faire du bien. Hein. Je sais pas où ils vont, eux, mais. Je crois savoir plus ou moins où ils veulent aller. Alors ça a marché ici, c'est parfait. Ici, on n'a rien. Oh, c'est gentil, des cadeaux. Merci, copain. Là, il n'y a pas de planète. Est-ce qu'ici, il y a des planètes? Non. Là, on a apparemment. On n'a pas de planète non plus. Ok. Ici, il y a une planète. Alors, on va prendre du coup. Popopopom. Elle. Et on va poser les armées.
101 contre 136. Ouais, va falloir faire gaffe. Alors là, on a évidemment chopé. Parfait. On attaque ici. Est-ce que lui, c'est fini ou pas? Ouais, c'est fini. Parfait. On va pouvoir aller jusque là-bas alors. Et attaquer doublement, du coup. Et du coup, ah, j'avoue que j'aurais bien voulu choper ici, à moi. Mais en tout cas, il se fait attaquer là, donc ça, c'est génial. On pourra construire les méga structures. Bonne nouvelle. C'est marrant ici qu'on est toujours à moins 10. Ah, ben voilà. Quand on parle du loup. Popopom. Recherche en plus. Et voilà. Bon, en vrai, on est plutôt bon niveau attaque. Est-ce qu'on a autre part des zones à choper après ou pas? Non, après, il n'y a plus de planète, donc. Enfin, plus de planète dans la zone ici, en tout cas. Je vais être sûr, hein. Je vais quand même vérifier. Donc. Parce que oui, ici, il y a des planètes monstériles. Mais je crois que c'est parce qu'on l'a pas totalement capturé, quoi. J'espère en tout cas que c'est pour ça. On va aller poser les armées là. Ah, c'est peut-être là. Poser les armées, voilà. Est-ce que ce sera ok? Ouais, ce sera ok. Ok. Alors. Ah, bah il y a un truc qui arrive ici. Et évidemment, mon casque s'est éteint, je sais pas pourquoi. Il commence à bien déconner ce casque, hein. Ok, et on va aller là-bas. Ici, on a ça qui arrive, donc c'est très cool. Alors, une délégation des aliens souterrains a approché nos colons. Leur empire semble traverser une période difficile et la famine guette leur civilisation. Est-ce qu'on les aide ou pas? Mais oui. 50 de nourriture, ça va. Pas de problème. On va envoyer là, comme ça, eux, on pouvait les faire remonter. Alors, dis-moi que je peux ajouter ça. Oui. Hop là, revendiquer. Bim. Est-ce que j'ai bien tout ici? Ouais. Ah, on y est bientôt, en vrai, hein. En vrai, ça m'amuserait de vassaliser. Je sais pas si c'est vraiment cool. Bon, les pauvres, je crois que c'est la fin. Alors, est-ce qu'ici il y a une planète? Non. Est-ce que là la planète, elle a été chopée? Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, c'est bon. Ici, il n'y avait rien. Ici, il y a une planète. Poser les armées. Alors, infiltration hostile détectée. Surveillant tout cela de près, donc l'attentat mécanique obtient barre renseignement militaire sur la Tengenanana pendant 200 jours, où toute la galaxie doit être mise à jour. Et la Tengenanana va être informée que nous avons attrapé ses agents. Bon, en vrai, on va mettre tout à jour, hein.
On s'en fout qu'il découvre qu'on l'a eu. On s'en fout en vrai. Bon, en vrai, c'est très très cool tout ça. Si on peut choper toute cette nouvelle zone, ça va être très sympathique. On va les choper et on va les envoyer ici, d'accord? On va les envoyer même là. Bon, je suppose qu'ils sont encore en plein combat ici, mais bon, on les a un peu embêtés, hein. Oh, on n'a pas réussi à les envahir. Sérieux? 123, ok. Ok. Bon, on a énormément de recherche, hein. Bon, on a plus 108, plus 708, pardon. Du coup, c'était là que je voulais aller. Mais je ne peux pas. Marrant ça. Est-ce que je peux envoyer du coup un truc ici? Explorer le système. Et on a les anneaux orbitaux maintenant. Trop bien. On va pouvoir s'amuser encore une fois. Mais c'est bien parce qu'une fois qu'on aura fini la guerre ici, alors c'est dommage parce que j'aurais bien voulu leur imposer tout ça. Ce sera enfin, reconnaître le statu quo, donc ça veut dire que c'est choper tout ce qu'on a mis ici. Alors en vrai, pourquoi pas? Là, c'est une bonne petite zone, hein. Bon, normalement, ça devrait le faire ici. Ok. On va aller ici. Donc là, c'est pas bon. Donc on va aller peut-être là. Poser les armées. C'est marrant que je puisse pas aller explorer là, c'est quand même absurde. En vrai. Alors, on a une nouvelle chose ici. Déviance moins 10 pour moins 10. Extension causée par district 25%. Compétence gouverneur plus 2, plus influence mensuelle. Bon, l'influence, elle me tente, hein. Alors, comment se passent nos différents mondes ici? Qu'est-ce qui se passe? Surpopulation. Ah bon? bah écoutez, on va faire ça. On va se faire aussi une petite ferme hydroponique. Et j'avoue qu'on va peut-être. Alors, on va faire ça, mais je veux surtout moins faire des. Je veux encore me faire des laboratoires, hein. Armée ici. Ah bah on était en pause, c'est pour ça. Bon, ça va le faire. Lassitude de guerre élevée. Nous pouvons nous voir imposer une paix 24 mois après avoir atteint une lassitude de guerre élevée. Aïe 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 aïe. Oh, et on peut pas faire plus. Oh la haine. Regardez ici. Il faut qu'on aille là et qu'on les défonce. Plusieurs séismes, blablabla. Tenter l'autre joue. Plus 10 dévastations. Tous les peuples sont en colère pour 10 ans. Bonheur moins 20. Ou. Popopom. On pourra faire le cuirassé. C'est parfait. Je vais absolument pouvoir aller là, quoi.
le plus vite possible, en fait. Ah, notre pote l'a déjà chopé. Alors attendez, hein. La United Blablabla a déclaré la guerre à nos alliés, Pellissima Independent Commissariat, du coup on est aussi en guerre. Et c'est qui les Pellissima, c'est eux? Non. C'est eux. Ok. Ok, d'accord, mais du coup, il n'y a plus aucune zone qui est chopée là, c'est ça? On va imposer le but de guerre, on va voir. Bon, écoute, on va faire ça. Hein. En vrai, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Parce qu'on a chopé toutes ces zones quand même. On va mettre play, on verra bien. Hein. Proposition, réponse diplomatique. Bon, elle a été refusée. Ok, fermeture des frontières de la Kessam. Bon, écoute, il n'y a pas de souci, hein. Tu me fermes, je vais aussi te fermer, hein. Hop, on va revendre ici. Ah merde, j'ai pas vendu le bon truc. Bon, c'est pas grave. En fait, c'est peut-être lui qu'il fallait juste défoncer. J'ai un peu peur que ce soit ça. Est-ce que je peux faire des défenses? Non. Quoi, il y a une guerre ici qui s'est lancée? Bon, ok. Ça, c'est fait. C'est vraiment en mode. Ah, en fait, vous êtes. Ah, oui. Ah, pardon. Désolé. Ouais. Merci. Ouais, pardon. Bon. Ça avance. Même chose ici. Mais j'ai peur que les 24 mois vont pas tarder à arriver. Par contre, c'est bien. Il s'est bien goinfré, lui, hein. Bon, c'est cool si on peut. Si on peut défoncer la zone ici. Ah ouais, c'est quand même plus 3000 ici. Plus 1500, donc on va être un peu limite, hein. Espérons que ça va le faire. On va peut-être déjà aller ici. C'est pas grave s'il y a une autre guerre qui se fait en attendant. Statu quo, ben non, je veux pas de statu quo, frère. Je suis désolé, la vidéo dure un peu plus longtemps, mais je vais réussir à choper ça. Ou en tout cas que la guerre se finisse ici. On a des premiers contacts, ok, blablabla, émissaire, ouais, super. Je suis en pleine guerre là, les gars. Alors, est-ce que c'est bon? Non. Mais où est-ce qu'ils existent encore alors?
Paix blanche, nous l'acceptons pour l'instant. Ok, bon, on a tout récupéré ici. Et lui aussi, il est en paix du coup. Est-ce que sa flotte est en train de bouger vers Ulm? Donc vers là. Donc on va aller faire ça aussi. Accord de recherche. Ok, et vous savez quoi? On va un peu bombarder ces petits idiots-là. Est-ce qu'on peut? Je crois que ouais. Ok, alors vous savez quoi? On va lancer une amélioration ici. Bon, bonne nouvelle ici, c'est qu'on a plein de choses à faire. On est en positif partout, mais on va gérer ça au prochain épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et du coup, ben nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, on se fait défoncer ici. Il va falloir faire gaffe. Allez, à très bientôt. Ciao.